Je suis encore un nourrisson à l'échelle de notre mère, la Terre. Mais pour vous qui l'habitez, je suis aussi un grand, un très grand vieillard. Je suis né dans les fonds d'une mer disparue, et il m'a fallu encore beaucoup de temps pour me dresser et pour apparaître tel que vous me voyez aujourd'hui. Et depuis tout ce temps, je regarde chaque nuit s'allumer les étoiles. Depuis presque tout ce temps, car en fait les choses ont commencé à changer il y a peu pour moi, pour s'accélérer ensuite, avec l'arrivée puis la multiplication des hommes, depuis les grottes innombrables jusqu'au port, au château, à la ville. C'est ainsi que je suis devenu, dans votre langage, le rocher de Monaco. À Roca pour les amis. Cette nuit, vous êtes venu à moi, ami, sur le rocher de Monaco. Alors le rocher se réveille, je me réveille, pour vous conter quelques souvenirs de l'aventure que vous avez partagée et dont je me souviens. Péiasque, Turbiasque, Canois, Antibois, Pugétois, Torigné, Saint-Lois, Cherbourgeois, Grandvillers, Persillais, Moyonnais, Ambion, Belfortin, Giromagnien, Monégasque. Regardez, écoutez notre histoire. Je me souviens qu'en cette fin du XIIe siècle, la vie était bien rude pour les habitants des arrière-pays ligures et niçois. En ces temps de razzia et de pillage, pour ces femmes et hommes ancrés à leur terre, la mer est périlleuse et les rivages peu sûrs. Les payasques d'alors sont naturellement fiers de leur autonomie et des privilèges qui y sont associés. Ils sont également soucieux de préserver leur isolement, qu'ils considèrent sans doute nécessaire à leur sécurité. Tiraillés entre le comte de Provence et la République de Gênes en pleine expansion, les consuls de paye, qui administrent un vaste territoire à la fois montagneux et maritime, font alors le choix du repli. Dureté des temps, récurrence des mauvaises récoltes, désintérêt pour le rivage, calcul politique, je ne sais précisément ce qui les amène en 1197 à céder aux Génois les droits qu'ils détiennent sur le rocher et le port de Monaco. Et nul ne le saura sans doute jamais. Mais c'est à coup sûr ce qui permet plus tard au Grimaldi de Gênes de devenir seigneur, puis prince de Monaco. Avant cela, sur la façade maritime du territoire dépendant de Peille, le long de l'antique voie romaine qui chemine à mi-hauteur de Peille et de la mer, des hommes et des femmes se sont groupés autour du trophée d'Auguste, formant ainsi le village de la Turbie. Depuis longtemps, ils ont réinvesti le trophée, qu'ils ont transformé en une tour de défense qu'ils nomment le château. Depuis longtemps, dans le vallon des Gomates, au bord de la mer, ils ont construit une chapelle dédiée à Notre-Dame. En cette fin du XIIe siècle, Gênes veut sécuriser sa frontière avec la Provence. L'abandon du rocher et du port, seul susceptible d'intéresser la République maritime qu'est Gênes, va être lourde de conséquences pour les Turbiasques. Après l'épisode de Malitia, puis l'abandon de la forteresse en 1301, les Grimaldi courent des destins divers.
Assumant leur fidélité au parti guelfe, celui des partisans du pape, adversaire de l'empereur, Rainier Grimaldi, premier du nom, se met au service du roi de Sicile, Charles II d'Anjou, comte de Provence, puis du roi de France, et devient amiral de France. À nouveau au service des comtes de Provence, il obtient tout près d'ici la seigneurie de Cagnes, avec d'autres terres provençales. Cagnes, où est construit un fortin, connu aujourd'hui comme Château Grimaldi. Comme tous ses contemporains, Rainier Grimaldi s'agenouillera traditionnellement devant son suzerain pour lui rendre hommage et recevoir son fief. Alors que l'Europe chrétienne est déchirée entre deux papes, l'un gibelin à Rome et l'autre guelfe en Avignon, c'est aux frères Marc et Luc Grimaldi, dont il a mesuré la valeur et la fidélité, que le comte de Provence confie Antibes et son fort avec la mission de les conserver dans le parti du pape avignonnais. À cette époque, Puget-Théniers relevait du puissant baron Jean Grimaldi de Beuil. En 1704, le titre de comte de Puget sera octroyé à un rameau collatéral par le duc de Savoie. Lorsque le comté de Provence sera uni au royaume de France, la proximité de la frontière amènera le roi à reprendre le contrôle direct de la ville. Les Grimaldi s'installent alors définitivement à Cagnes, que Rainier II avait cédé à ses proches cousins. En 1465, les deux rameaux se rapprocheront à l'occasion du mariage de l'arrière-petite-fille de Rainier II, Claudine, dame de Monaco, avec son cousin Lambert Grimaldi de Cagnes, assurant par le fait la continuité dynastique des Grimaldi de Monaco. À l'orée d'un 18e siècle, qui débute sous de beaux auspices pour se terminer dans la tourmente révolutionnaire, un événement heureux lie un comté des bords de la Manche à la lointaine principauté méditerranéenne. Mort en 1731, le prince Antoine Ier de Monaco laisse pour héritière une fille, la princesse Louise Hippolyte. La loi successorale qui la porte sur le trône ne lui permet de se marier et d'assurer la descendance des princes qu'avec un seigneur qui accepte d'abandonner son nom et ses armes pour adopter le nom et les armes des Grimaldi et accéder ainsi à la pairie. Après de longues tractations, c'est en 1715, Jacques, comte de Goyon-Matignon, héritier d'une très ancienne famille d'origine bretonne, fixée ensuite en Normandie, qui apporte ses terres et ses titres à la famille souveraine de Monaco. Le château de Torigny devient dès lors l'une des résidences favorites des princes de Monaco et le reste jusqu'au lendemain de la Révolution française, avec l'hôtel de Matignon à Paris, aujourd'hui résidence du Premier ministre français. C'est par cette même union que la baronnie de Saint-Lô, celle d'Amby et de Moyon, le gouvernement de Chauzet, Cherbourg et Granville rejoignent le patrimoine des princes, ainsi que Percy, qui appartenait à la baronnie de la Rochetesson, octroyée au Matignon en 1524 et incorporée au comté de Torigny en 1644. Se constitue ainsi un vaste ensemble territorial situé dans une région fertile et pourvoyeuse de revenus importants, ancrant davantage les Grimaldi dans le réseau des grandes familles françaises.
Ces derniers sites, dont je relève ce soir la mémoire, nous amènent à la fin du XVIIIe siècle. C'est encore un mariage, à coup sûr un des plus brillants, qui voit s'unir en 1777 le duc de Valentinois, futur prince Honoré IV, avec Louise d'Aumont, fille unique du duc d'Aumont et de la duchesse de Mazarin, qui hérite dès 1781 de la fortune considérable laissée par les Mazarins, dont d'immenses possessions, situées essentiellement dans l'est de la France. Parmi elles, dans ce qui deviendra le territoire de Belfort, les comtés de Belfort, de Rosemont, autour de Giromagny, ainsi que la seigneurie de Delle. La jeune épouse est aussi héritière de très nombreux procès et chicanes, résultant d'une gestion incertaine des biens de famille, tant ceux reçus de sa branche paternelle, les Aumont, que de ceux venant de sa mère, la duchesse de Mazarin. La nuit du 4 août, dite de l'abolition des privilèges, dépossède les Grimaldi de la totalité de leurs titres et possessions en France. Petit à petit pour vous, en un clin d'œil pour moi, j'ai vu s'épuiser l'orage. Révolution, consulat, empire, restauration. Le congrès de Vienne se réunit pour remettre l'Europe dans son ordre ancien. Mais ce n'est qu'en 1814 que le traité de Paris replace les Grimaldi sur le trône monégasque. Après la perte de Roquebrune et de Menton, comme tout au long de sa longue histoire, et une fois encore, nécessité fait loi pour la principauté. Elle met à l'épreuve la capacité d'adaptation de ses princes et de ses habitants. La réponse arrive. En créant Monte-Carlo en 1866, le prince Charles III assure une nouvelle prospérité à sa petite principauté réduite aux limites du berceau génois. Un prince savant, un prince soldat, un prince bâtisseur se succèdent au long d'un 20e siècle marqué par deux guerres mondiales qui n'épargnent la principauté ni dans sa chair, ni dans ses pierres. Ainsi vont les affaires des hommes. Pour moi, rocher de Monaco, immobile, mais voguant sur la mer du temps, le 21e siècle a commencé avec l'avènement du prince Albert II. Heureux de revisiter ce que furent les liens de vassalité pour n'en retenir qu'amitié et partage, notre prince souverain, dès avant son accession au trône, a entrepris de mettre ses pas dans ceux de ses illustres aïeux pour revivifier la relation de Monaco avec les sites et les communautés humaines liées à l'histoire de sa famille. Thank you.
Voilà pourquoi je me suis réveillé ce soir. Voilà pourquoi je vous ai raconté quelques-uns de mes souvenirs, quelques pans de votre longue histoire. Voilà pourquoi, une fois encore, je vois, riche de son passé, prenant courage dans le souvenir des épreuves surmontées, confiant dans ses capacités d'adaptation et d'innovation, laboratoire du futur, mon cher Monaco qui s'engage. En avant, calme et droit, Deo Juventus.